Eh ben moi, toutes ces histoires de cocu. Ah ben voilà. Tu sais, j'en ai un peu ras-le-bol, hein, parce que les cocus, finalement, portent des cornes. Et je me suis souvent aperçue que la corne muse. Et la corne muse, si on s'en sert aussi, donc... Il va falloir que je la corde, justement. Et... Voilà. On va sortir l'engin parce que c'est quand même un... Ça y est, j'ai pas. J'ai le trac qui ne marche pas. J'ai le trac qui ne pleuve pas assez parce que ça réagit avec l'humidité, ça réagit avec la pression de l'air, la pression atmosphérique. Quoi encore? La température et le stress du musicien. Donc, si vous voulez bien, je m'en vais déstresser dehors. Ce truc quoi, en plus je savais pas jouer du tout quoi, et au moment d'enlever la cornemuse je me suis trompée de ceinture. J'ai enlevé la ceinture de mon pantalon, la celle là en fait elles sont proches les unes des autres, et le luthier il me disait non non pas celle là pas celle là pas celle là j'ai dit mais qu'est-ce qu'il a quoi. Et oui, et ça fait rire toute l'Irlande en fait après quand j'ai raconté ça. Et du coup je me suis dit que je mettrais plus jamais de ceinture pour jouer de la cornemuse. Mais là, j'en ai mis une parce que j'ai acheté un pantalon à Carrefour et il est trop grand, donc je suis obligée. Donc, c'est pas fini, hein. Ça, c'est très doux. En fait, c'est une chaussette que j'ai piquée aux Provençaux. C'est une chaussette de... Vous savez les costumes provençaux avec les rondes chaussettes pour l'hiver, voilà. C'est ça, c'est un préservatif d'éléphant aussi, ça peut servir. Donc attends, j'en ai raccourci un pour rentrer dans la vanille, je sais plus. C'est celui-là. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est...
une plein de tuyaux. Vous voyez, j'en ai plus que lui. J'en ai 6 là déjà. C'est pas dans le quantitatif. C'est une histoire de point de vue. Hein. Alors c'est marrant parce que vous voyez, j'ai des tuyaux comme lui. Je les porte sur la jambe droite, lui je sais pas où il les porte. Et en fait, on se demande qui c'est qui porte le pantalon, du coup. C'est lui ou moi ? Ceci dit, dommage, mais très peu de femmes en France jouent de cet instrument barbare. En fait, je suis la seule. Sans prétention aucune, mais elles ont tout abandonné. Quoi. C'est... En Irlande, il y en a un peu plus, il y en a à peu près 30%. C'est quoi ce truc? Ah, ben ça vient de mon côté américain. C'est kangourou. C'est à toi ça? Ça doit l'être. Je parle. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas pour. Je ne porte pas ce soir. Parce que je suis ni à la danse, ni en gigue, ni. C'est pas une soirée, je sais. Oui, ça sort par la droite, hein, si j'ai bien compris. Hein? Moi aussi. Mais... On est dans le même sens. On est dans le même sens. Ça, c'est pour les réparations. Ça, c'est pour. Je sais pas. C'est à toi? Non. Ah. Bon ben, j'ai des épingles à linge en camistral pour les partitions. Tu les veux? Voilà. Oui. Merci. Et j'avais aussi. Allô? Oui. Oui. Mais non, mais là, écoute, excuse-moi, je suis en plein concert, là, je peux pas. Non, mais je peux pas te parler. Voilà, c'est les nouveaux iPhone 5 d'Irlande. Vous faites passer. Ça, c'est complètement bio et naturel. C'est une tranche de pain faite avec des livres. Oui. Vous pouvez allumer, si vous avez un briquet, un peu de flamme dessus. Ça sent très bon la tourbe. Si vous avez un briquet, je dois en avoir un. Je le fais passer avec le briquet, comme ça on sentira la tourbe et le feu de cheminée. Tu t'en occupes? De y mettre le feu sur un petit coin, tu. Voilà. C'est mieux que l'encens. Hein. Voilà, c'est pas du shit. Et tu respires, quoi. Voilà la fumée qui. Mon grand-père est né dans une maison où on chauffait la tourbe. Mais il n'y avait pas de vitres aux fenêtres. Il y avait des trous, mais bon, il fallait. On supportait les hivers comme on pouvait. C'était des black houses. C'était pour les paysans et les moutons. Tous dans la même pièce. Une pièce une mouton. Se fait là et c'est un doigté fermé, donc l'air est comprimé dans le tuyau sans arrêt
Et donc, la première leçon de cornemuse que j'ai prise, bah, il fallait faire du silence. Je ne comprenais rien pourquoi, mais en fait, c'est quand tu ne fuis plus, il n'y a plus de bruit. Donc, dès qu'il y a une fuite, il y a du bruit. Parce que c'est de l'air comprimé sans arrêt dans l'instrument. Donc, là, j'ai tout bouché, c'est tout silencieux. Je n'ai pas de fuite. Dès que je fais une fuite, ça fait du bruit. Voilà. Et tout l'art de la cornemuse, c'est transformer le bruit en son. C'est ça le plus terrible. Hein. C'est ça le plus terrible. Mais grâce à ce doigté fermé, contrairement à la cornemuse écossaise, c'est quand l'air s'en va tout le temps, c'est pas bouché ici. C'est pour ça que j'ai un morceau de cuir. Hein. C'est pour boucher le trou en bas. Et la cornemuse écossaise, l'air s'en va tout le temps. Donc on ne peut pas faire des sacs à dos, des coupures du style. Ça, c'est en cas d'urgence, tu vois. Ou alors le chien. Tu vois, ça, c'est impossible à la cornemuse écossaise. Donc, ça permet, le doigté fermé permet de s'amuser beaucoup là-dessus, quoi.